Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ZeroNet TV. Voilà, vous avez failli découvrir la petite chorégraphie qu'on fait pendant le générique de Zéro Live Hebdo. Et là, on s'est fait prendre au piège comme une petite souris. Nous en sommes désolés. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes bien le 28 janvier et jusqu'à 18h30, comme chaque jeudi soir, c'est le Zéro Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François. Et oui, une demi-heure pour débriefer avec vous toute l'actualité. Et ce soir, eh bien, nous avons sélectionné pour vous des sujets qui vont certainement vous intéresser. Tout à fait, comme le dit si bien Jérôme. Oui. Nous allons parler d'Apple. Et oui, encore une fois, avec pas mal d'infos concernant à la fois les résultats des ventes d'iPhone de ces derniers mois et puis surtout les rumeurs qui circulent sur le web. On en parle dans un instant avec Raphaël Grabli qui a tout révisé parfaitement. Nous irons faire un tour également dans le ciel, dans les nuages, pour un sujet inhabituel. On va s'intéresser au Wi-Fi dans l'avion grâce à Amélie Charnet qui a testé le Wi-Fi dans l'avion ce matin même, elle va tout nous dire. Oui, ça a l'air super. On va retrouver notre Zoom Actu aussi avec Delphine Sabatier. Ce sera en tout milieu de ce Zéro en Live Hebdo. Et puis après, direction le Labo Zéro en Net, vous le savez, comme chaque jeudi soir. Et c'est David Noguera aujourd'hui qui viendra nous rendre visite avec deux produits sympas. Un projecteur Epson Full HD au super rapport qualité-prix. Et puis une enceinte Bowers et Wilkins. Tu sais, ces enceintes qui ressemblent à des, comment on appelle ça? Un Zeppelin. Voilà, des Zeppelins, exactement. Merci. Ouais. C'est le tout dernier modèle qui cette fois-ci est Bluetooth. Il nous en parlera tout à l'heure, David. Voilà, comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez interagir. Posez vos questions, vos commentaires sur Twitter. Hashtag 01Live. C'est 01Live Hebdo et c'est parti. Jérôme ne danse pas, attention. J'ai fait attention. On peut peut-être avoir un retour plateau plus rapide que d'habitude. Pour débuter donc notre question, 01Net Orange, Jérôme. Comme chaque semaine, donnez-nous votre avis sur un sujet d'actu et donc aujourd'hui le Wi-Fi dans l'avion. Ah, bonne question. Hein, qu'en pensez-vous au fond? Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Vous allez sur www.01nettv.com et puis vous cliquez et on fera le point tout à l'heure. Moi je peux jouer ou pas? Oui, tu as le droit. Je peux dire pour. Là pour, tu as le droit. Je peux. Super pour. Mais tu peux voter qu'une fois. Bon, bah, c'est pas grave. Je changerai d'adresse IP pour voter plusieurs fois. Donc n'hésitez pas, la question 01Net Orange sur évidemment 01Net.com. Hashtag 01Live pour poser vos questions à nos invités, à nos journalistes, pour réagir aussi à l'actualité. Et on va commencer donc avec eh bien, les résultats financiers d'Apple qui sont tombés il y a quelques jours. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Raphaël Grabli, qui fait partie de la rédaction de 01Net.com. Raphaël, donc, les résultats financiers sont tombés. On ne va pas évidemment revenir sur tous ces résultats qui sont quand même assez fastidieux. Oui. Bon, voilà, quoi, c'est des gros. Hein. C'est les produits qui nous intéressent. Exactement. Mais malgré tout, il y a un truc intéressant concernant l'iPhone. Bah, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu beaucoup. Ils ont vendu 75 millions d'iPhone. Apple a vendu 75 millions d'iPhone au quatrième trimestre 2015. Ça fait 34 000 iPhone par heure et 10 chaque seconde. Rendez compte, 10 iPhone vendu chaque seconde dans le monde, c'est un truc de dingue quand même. Alors, bon, alors ce sont des chiffres évidemment monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Au niveau des chiffres des dollars, alors ça fait 76 milliards de dollars de chiffre d'affaires, oui. 18,4 milliards de profits. Donc une fois de plus, on bat les records historiques. C'est les records historiques. Voilà. Jamais une entreprise dans l'histoire n'a fait autant de bénéfices au cours d'un trimestre. Bon, alors voilà, ça on le rappelle, dans un sens pas très nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que malgré ces chiffres absolument spectaculaires, eh bien, on commence un petit peu, alors peut-être pas à s'inquiéter, mais à constater des phénomènes étranges. Bah, Tim Cook, pour la première fois, il a prévu une baisse des ventes d'iPhone. Il y a David qui est là. Mais David vient d'arriver avec son petit... David fait du bruit. Avec son overboard. Non mais c'est bien. Comme ça. Donc pour la première fois, Tim Cook a prévu une baisse des ventes d'iPhone. C'est une première depuis le lancement de l'iPhone en 2007. Ça inquiète un petit peu les investisseurs. C'est-à-dire qu'il a dit attention les gars, bon là on s'est éclaté, on a fait la fête pour le dernier trimestre 2015, mais en revanche le premier trimestre 2016, il sera pas bon, ça on peut vous le dire d'ores et déjà. Voilà, donc c'est comme si on était tout en haut du sommet de la montagne russe, donc c'est pas très très bon. Et ça sera une première pour Apple. C'est une première historique depuis le lancement de l'iPhone, donc en fait... Parce que tous les trimestres depuis de nombreux années étaient en croissance à chaque fois. Si vous voyez les graphes entre l'iPhone, enfin le tout premier iPhone et l'iPhone 6S, c'est de l'ordre, ça doit être multiplié par 30, 40, c'est énorme, c'est des chiffres énormes. Donc là, ils sont un petit peu en train sur la mauvaise pente. Pourquoi prévoit-il d'en vendre moins
pour le prochain trimestre? Eh bien déjà parce qu'au niveau de la Chine, ça bloque un petit peu, il y a beaucoup de concurrence. Ah oui, grosse concurrence, il y a des marques chinoises. Exactement, il y a Huawei, des grosses concurrences. Xiaomi et compagnie. Qui font des très belles choses, il y a une grosse concurrence d'Android qui fait du très haut de gamme aussi. Bien sûr. Donc il y a beaucoup d'appareils en face, et puis les prix sont très élevés, et puis les gens ont peut-être de moins en moins envie de payer aussi cher pour la partie, on va dire, marque et la partie design. Ouais. Alors voilà, c'est ça la composante nouvelle, c'est que on a l'impression, en tout cas Apple a l'impression que la Chine s'essouffle plus vite que prévu en termes de vente de alors qu'ils misaient énormément dessus. Voilà, je crois qu'ils vont ouvrir 30 Apple Store dans les mois qui viennent. C'est énorme. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Justement, on en vient à ce qui pourrait arriver en mars pour contrer cette baisse des ventes d'iPhone. Apple pourrait lancer l'iPhone 5 SE, donc c'est une version entre guillemets low cost de l'iPhone. Ce serait le retour du 4 pouces. Donc un petit. Un petit. Ce serait une première depuis près de 3 ans, en 2013, c'était l'iPhone 5S en septembre. Oui. Donc ce serait vraiment une première depuis un petit moment que Apple le relancerait du 4 pouces. Et donc ce serait évidemment destiné au marché émergent parce qu'on parle d'un appareil qui pourrait être autour de $500. D'accord, et qui aurait donc, on va dire, à peu près les derniers raffinements de l'iPhone 6S, mais dans un écran de 4 pouces. Enfin, dans un écran 4 pouces. Il aurait même appareil photo, je crois, que l'iPhone 6S. Voilà, il aurait beaucoup de caractéristiques en commun, donc... très puissant quand même, parce que ça date d'il y a 6 mois. Et il reprendrait aussi en partie le design de l'iPhone 6S. Donc en fait, ce serait vraiment un iPhone 6S mini, mais bon, on a parlé d'un iPhone 6S mini, d'un iPhone 6C, etc. Alors ça pourrait être annoncé en mars, avec sans doute aussi un nouvel iPad, visiblement. L'iPad R3. Voilà, l'iPad R3 qui pourrait être aussi dans le pipe. Mais en revanche, il y a d'autres rumeurs qui circulent actuellement. Oui. Concernant, on va dire le smartphone que énormément de gens attendent, c'est l'iPhone 7 qui sera annoncé en septembre prochain. Exactement. Et alors là, bon, comme on est dans les années paires, donc on passe un nouveau numéro. Donc c'est-à-dire qu'à l'iPhone 7, on aura un nouveau design. Donc c'est très attendu évidemment. Il pourrait y avoir la fin de la prise casque, la prise de casque jack. Ça, je crois qu'on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Donc ça, c'est dans le but évidemment de rendre l'iPhone plus fin. Plus fin. Il y a plusieurs hypothèses comme la recharge par induction, un petit peu d'étanchéité, la norme IP. Qu'on l'attend, hein, ça. On l'attend depuis un petit moment. Ouais. Et puis ce matin, il y a notre ami Pierre Fontaine qui écrit un petit papier sur un nouvel appareil photo. Aha. Et il pourrait y avoir un double objectif. Et donc là, ce serait une petite révolution, comme dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Comme disait l'autre, malheureusement. Et ça permettrait d'avoir des meilleures photos en basse lumière. Et surtout, ça permettrait de rendre l'appareil beaucoup plus fin et d'enlever cette fameuse protubérance que beaucoup de clients n'aiment pas trop. Exactement. Mais on gagnerait vraiment en qualité, hein, apparemment. Alors, on parle, en fait, c'est une start-up israélienne qu'Apple a rachetée il y a un an à peu près, un an et demi, et non, moins d'un an, pardon, et qui parlait en fait d'une qualité réflexe. Donc ce serait vraiment quelque chose de assez impressionnant. Je me méfie quand même de... C'est les effets d'annonce. Un tout petit capteur comme ça, franchement, bonjour. Hein. C'est les effets d'annonce comme d'habitude. Bien sûr, bon. Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs en ce moment concernant l'iPhone 7 qui sort, rappelons-le, dans 8 mois. Hein, les amis. Oui, c'est donc pas on a quand même suite. Le temps. Hein, et l'Apple Watch, elle évolue pas? Pas tout de suite. L'Apple Watch. Hein. Alors d'ailleurs, l'Apple Watch, c'est le seul produit sur lequel Apple n'a rien dit au niveau des chiffres. Donc on ne sait pas vraiment si ça marche très bien. Ils mettent ça dans une catégorie qui est autre. Dans les résultats financiers. C'est autre. Alors même si cette catégorie autre a augmenté, on n'a pas les chiffres exacts. On n'a pas du tout les chiffres de l'Apple Watch. C'est plutôt mauvais signe. Voilà, ils disent qu'ils ne veulent pas les donner vis-à-vis. Ce n'est pas du tout pour ne pas être transparent, mais c'est pour ne pas alerter la concurrence, évidemment. Bien évidemment. Si ça avait très bien marché, on pense qu'ils les auraient donnés. Il y a une grosse concurrence concernant les montres connectées, quoi, aujourd'hui. Oh, tu dis ça comme ça. Bon, tu es en colère. Et puis pour... contre les montres. Contre les montres. Mais donc, il n'y a pas d'Apple Watch 2 Apple Watch 2 en mars, il y a eu des rumeurs comme quoi elle serait annoncée en mars, après éventuellement en septembre. Il y a quand même plus de chances que ce soit pour la fin de l'année. Merci beaucoup Raphaël pour toutes ces précisions. Merci Raphaël. Raphaël Grabli, donc de la rédaction de 01net.com. 18h10, hashtag 01live si vous voulez poser vos questions. Désarmement des toboggans, ouverture des portes. PNC à vos postes. Attention, Amélie Charnet est avec nous. Bonsoir Amélie. Bonjour Amélie. Bonsoir. Comment ça va Amélie? Eh bien bien, j'ai fait un petit aller-retour en Suisse ce matin. Ça c'est la classe. Cool. Vous aviez des valises avec vous? Non, mais je vous ai pas non plus ramené de chocolat. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais non, c'est pas grave du tout. Alors vous avez pris l'avion pour faire un aller-retour, vous êtes comme ça vous? Voilà, je suis comme ça. Donc en fait c'était juste pour tester le Wi-Fi.
à bord d'un avion Air France. D'accord. Et qui, en partenariat avec Orange, teste actuellement le Wi-Fi sur deux avions moyens et courts courriers en France et en Europe. Mmh. Et donc, ça fait depuis le 12 janvier qu'ils ont commencé l'expérimentation. Et ils vont faire ça pendant 3 mois. Et à l'issue de cette expérimentation, ils décideront ou non de le déployer sur tous leurs avions. Ah d'accord, donc on est vraiment dans la phase de test. Voilà. Là, rien, ouais, enfin, ouais. Voilà, on n'est pas en train de dire « Attention les amis, c'est cool, non, 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 dans les avions ». Mais j'ai quand même pu tester le service et avoir une bonne idée de ce qu'on pourrait avoir s'ils décident de l'installer partout. Alors, comment ça donne quoi ? Donc, alors, c'est ça. J'ai été plutôt agréablement surprise. Alors, il ne faut pas non plus s'imaginer des performances folles. On est sur un Wi-Fi partagé, donc j'étais quand même dans des conditions réelles parce qu'il y avait des vrais passagers à bord. Hein. Ce n'était pas un vol uniquement affrété pour des journalistes. Ah, d'accord. Okay. Ouais. Et donc, tout le monde pouvait se connecter à Internet. Donc, alors, au niveau... alors voilà, j'ai pas réussi par contre à appeler Eric en FaceTime, ni sur Gtalk. C'est la seule chose que j'ai échoué à faire. En revanche, donc débit descendant très bon. Mmh. Vraiment de l'ordre d'une très bonne connexion ADSL, débit montant pas terrible, mais c'est normal pour une connexion Wi-Fi partagée. Donc alors on peut très bien surfer sur le web, consulter ses mails, télécharger des applications en ligne, regarder la télévision. Netflix, tout ça, ça fonctionne? Non, alors en fait Orange propose soit un pass où on a accès à une espèce de portail de VOD, où on peut télécharger des jeux, jouer à des jeux en ligne, donc visionner des films et des séries télé en streaming. Et il y a un autre pass où on peut accéder à Internet librement et également avoir accès à 6 chaînes de télévision. D'accord. Mais donc, voilà. Je reviens à ma question sur Netflix, ça ne marche pas. J'ai pas réussi à me connecter, non, voilà. Non, non. Parce que c'est étonnant. Alors, bon, il faut savoir que... aux États-Unis, on va dire 90% des vols intérieurs sont équipés de Wi-Fi. Oui. Hein, et donc ça marche très bien, etc. Mmh. Après, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, c'est par satellite ou si c'est des émetteurs terrestres. Mais donc aux US, ce sont des émetteurs terrestres que l'avion capte. Mais il n'y a pas de streaming, c'est-à-dire que Netflix ne fonctionne pas, par exemple. Ce qui est bien dommage, parce que justement, c'est là où ça prendrait tout son sens, parce qu'on sait qu'on ne peut pas télécharger de séries sur Netflix. Donc, voilà, il y a malgré tout des limitations techniques. Oui. Alors, Orange a fait un choix complètement différent de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, ils n'utilisent pas des stations au sol, mais le satellite. Donc, l'avion a une parabole? Voilà, en fait, il y a un radôme. En fait, il y a un radôme, c'est-à-dire une coque protectrice au-dessus d'une antenne satellite qui est en fait au-dessus de l'avion. Mmh. Et à l'intérieur, pour distribuer le Wi-Fi à tout le monde, il y a 6 antennes. Et il y a également un serveur pour que les gens puissent accéder à un catalogue de vidéos. Oui, parce que ces vidéos sont stockées dans le serveur, dans l'avion. Voilà, tout à fait. Là, on ne se connecte pas Internet. Exactement, voilà. D'accord. Mmh. Mais de toute façon, si on veut déployer ça sur des vols transatlantiques, il faudra que ce soit du satellite, parce qu'on ne pourra pas, par définition, compter sur des antennes au sol. Tout à fait. Mais alors là, la particularité, c'est que les deux avions testés en ce moment, ils sont courts et moyens courriers, donc ils ne passent pas, a priori, c'est quand même des liaisons continentales. Voilà. Ouais. Alors, il y a des questions sur Twitter concernant les tarifs. Mais oui. Ça, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Ah. Si, ah ouais. C'est déjà sur les tarifs. D'accord, sur les tarifs qui sont pratiqués actuellement sur les deux vols en question. Tout à fait, qui risquent d'être ceux... Alors, c'est plutôt moins cher que ce qui se passe aux États-Unis, où on est sur de l'ordre entre 10 et 20 euros le vol, voire parfois c'est 12 euros l'heure. Donc, sur un long courrier, ça peut quand même revenir très cher. Ils sont là, des forfaits pour tout le vol. Alors là, en fait, Orange propose donc une connexion à 5 euros quand on est quand on survole la France, à 10 euros pour toute l'Europe. Et le pass pour accéder au catalogue de VOD, c'est 6 euros où qu'on soit. Donc à rajouter. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est le... Comment on dit ? Parce qu'il y avait une option avec un bas débit gratuit et puis du... Non, alors là, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de limitation de data, il n'y a pas de limitation dans la durée de la connexion. C'est valable pour tout le vol. D'accord. Bon, en revanche, c'est valable pour un aller. Quand vous revenez, il faut repayer un pass. Oui, c'est pas un aller-retour. C'est quand même pas donné pour quelqu'un qui voyage souvent. Qui veut travailler, c'est quand même un sacré budget. 5 euros le vol en survolant la France. On peut préacheter son pass sur le site d'Orange avant de partir. D'accord. Pour ne pas perdre de temps. Et alors, non, par contre, le truc qui m'a plu le plus, oui. C'est ce qu'ils appellent le gate-to-gate, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez vos fesses sur votre siège, vous avez accès à Internet, y compris pendant le décollage, y compris pendant l'atterrissage. Ah oui, contrairement aux États-Unis, voilà. On est obligé d'attendre. Exactement. Et donc, c'est vrai que Air France et Orange mettent ça en avant en disant qu'ils sont les premiers en Europe, de toute façon, à le faire.
faire et qu'aux États-Unis, je ne crois pas encore que c'est commencé. Il y a une compagnie seulement qui s'apprête à le faire. Et alors, sur un court courrier, effectivement, ça fait gagner un temps fou. Donc pour un homme d'affaires ou pour tout le monde, c'est sympa de pouvoir, parce que ça prend un certain temps voilà. quand même, toutes ces procédures de vol. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et puis bon, mais comment on fait, on peut c'est-à-dire que même quand l'avion décolle, on peut être connecté à internet, parce que souvent il y a des mesures de sécurité. Oui. Alors il faut être sur mode avion. Donc ça va juste couper vos SMS et vos appels voix, quoi. Mais on garde le wifi. Oui, donc voilà. C'est pas tout à fait le mode avion, c'est mode avion et puis on c'est un mode avion, ça devient un peu compliqué parce qu'en plus on est dans un avion, donc c'est un peu un mode avion quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qui est terrible. Bon, et alors, ça pourrait être déployé quand cette histoire-là? Bah alors, le problème c'est que pour équiper chaque avion, il faut l'immobiliser pendant 10 jours. Donc on imagine que quand bien même Air France déciderait donc de le déployer sur tous ses avions, ça va prendre plusieurs mois quoi. D'accord. Et ça ne marchera que sur l'Europe? Est-ce qu'on peut imaginer que les vols transatlantiques aussi auront cette techno? Alors en fait Air France a un deuxième projet sur les longs courriers et ils testent actuellement donc un autre système avec un autre opérateur sur un vol long courrier. Ils le testent actuellement sur un avion. Donc à terme on aura du wifi partout, oui. Sur des courts, des moyens, des longs courriers. Et même le paradoxe c'est que en fait techniquement c'est beaucoup plus facile d'avoir du wifi dans un avion que d'avoir une connexion internet dans un train ou dans le bien métro. Sûr, Donc en fait techniquement il n'y a aucun problème, on pourrait le faire déjà partout. Le problème c'est que ça coûte tellement cher d'équiper les avions avec ces technologies qu'ils ont du mal à trouver un modèle économique et à ce que ça soit rentable. Donc il faut qu'ils trouvent la bonne adéquation avec le service et le prix qu'ils vont faire payer aux passagers quoi. Et d'où aussi ce partenariat avec Orange qui doit être voilà. Qui doit amortir une partie des coûts. Exactement, c'est ça, ouais. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Merci Amélie. Et bon, justement, c'est pas grave pour les chocolats. On s'entraîne. On vous parle d'œuvre. Justement, c'est la question 01 Live Orange de cette semaine. Que pensez-vous du Wi-Fi dans l'avion? Eh bien, voici la tendance. Hein, vous êtes pour à 87%. Bah, c'est logique, bah, c'est forcément. Logique. Ouais. En fait, c'est moi qui ai voté plusieurs fois depuis tout à l'heure. Non, mais non, mais il y a une génial. Vraie appétence, il y a une vraie envie, évidemment, de pouvoir se connecter. Mais tu sais que c'est pas général pour tout le monde. Hein. Non. Il y a des gens qui partent du principe qu'en avion, c'est sympa, on est un peu coupé du monde. Voilà, il faut préserver ce côté un peu bulle. Moi, j'avais juste une petite question. On ne pourra pas toujours passer d'appel téléphonique. Ce n'est que du Wi-Fi, là, on est d'accord. On peut, voilà, alors, la précision, c'est qu'on pourrait techniquement passer un appel vidéo ou audio par Skype, donc par Internet. Internet, mais donc bah déjà moi j'ai pas réussi techniquement à le faire alors que j'aurais dû pouvoir le faire. Et la seconde chose c'est que Air France envisage d'interdire cet usage parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de nuisances sonores. Bien sûr. Donc ils vont limiter sûrement certaines pratiques. Ouais, bah, je suis dans l'avion là. Ouais, c'est super. Pardon. Et ouais. Non, ça va être terrible si tout le monde fait ça. Merci Amélie. Et on revient dans un instant, Jérôme, avec Delphine Sabatier qui va nous parler de réseaux sociaux et de dodo. Restez là. Avec toujours le hashtag 01 Live pour nous poser vos questions en direct sur Twitter, hashtag 01 Live votre question. Et on la lit bien évidemment, elle apparaît ici même. Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine, directrice de rédaction de 01net et que nous retrouvons chaque jeudi dans 01 Live Hebdo pour la chronique Zoom Actu. Alors vous nous parlez de réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne vais pas vous endormir. Ça y est, on est jamais en train de vous piquer. Pourrez jamais vous endormir, Delphine, jamais. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il paraît que les réseaux sociaux quoi, nous empêchent de bien dormir, c'est ça? En tout cas, on a une preuve là, vraiment concrète, qu'il y a un impact de l'utilisation de Facebook, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux. Il y a 11 réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui qui ont un impact sur notre sommeil. Voilà, c'est vérifié, c'est avéré. C'est des chercheurs en médecine américains qui ont mis en évidence ce lien. Et ils recommandent même aux médecins qui ont des patients qui souffrent d'insomnie d'aller regarder
de ce côté-là. Alors, c'est le résultat d'une étude qui a été effectuée sur des jeunes adultes, hein, des adultes de 19 à 32 ans. C'est clairement la génération de ceux qui ont grandi avec les réseaux sociaux, qui baignent dedans. Génération smartphone aussi. C'est une moyenne. Alors, en moyenne, c'est une moyenne sur cette population. Ils passent à peu près une heure par jour sur leurs réseaux sociaux et ils s'y connectent 30 fois par semaine. Et pour 30% d'entre eux, il y a des soucis de sommeil, il y a des troubles du sommeil qui sont constatés. Est-ce que ça dépend du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, justement ? Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend de la fréquence à laquelle on y va et ça dépend du temps qu'on y passe effectivement. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Ceux qui ont consulté les réseaux sociaux le plus souvent dans cette population qui a été étudiée, ils ont eu trois fois plus de problèmes avec leur sommeil que ceux qui l'ont consulté le moins souvent dans cette semaine. Et ceux qui ont passé plus de 2 heures par jour, eux, ils ont eu deux fois plus de troubles du sommeil que ceux qui sont restés moins de 30 minutes. Pour ceux qui ont suivi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en conclusion, ce qui perturbe tout particulièrement l'horloge biologique aujourd'hui, c'est la fréquence à laquelle on se connecte aux réseaux sociaux, davantage que la durée, le temps qu'on y passe. Mais par exemple, qu'est-ce qui nous empêche vraiment de dormir en fait ? Alors, ils ont cité quelques exemples assez concrets. Tout simplement, déjà, quand on retarde son endormissement, parce que pour bien dormir, on sait qu'on a une heure privilégiée. À partir de 21h, on commence à avoir une hormone qui se déclenche et qui nous fait somnoler. C'est assez tôt, finalement. Alors, quand vous retardez votre heure... 21h30, dodo tout le monde. Enfin, je dis ça, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Elle est souvent sur Tech & Co. Évidemment. Donc quand vous retardez votre heure d'endormissement, c'est souvent parce que ah non, faut absolument que je poste encore quelques photos sur Instagram tout de suite. Quelle horreur. Voilà. Autre chose qui perturbe énormément notre sommeil, ça va être une discussion animée par exemple sur Facebook. Là, vous sollicitez énormément vos émotions, le cognitif, tout ça vous maintient en éveil. Alors, attendez Delphine, parce qu'il y a un autre truc dont on nous bassine depuis des années, c'est cette fameuse lumière bleue, vous savez, qui sera en plus nocive. Oui. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le pompon. Là, on aggrave notre cas. Quand on fait tout ça la nuit ou dans le noir, c'est-à-dire que, imaginons qu'on est un adolescent, les parents éteignent les lumières dans la chambre, hop, on sort son smartphone et là, on a cette lumière bleue qui est hyper intense et qui retarde cette fameuse hormone de somnolence et donc va énormément perturber notre sommeil. Donc là, on est vraiment dans un cas typique chez les jeunes de perturbation du sommeil à cause de cette lumière bleue et de la fréquence, je rappelle, à laquelle on va se connecter. D'ailleurs, les auteurs de l'étude sont en train de se poser la question, parce que là, ils ont mis en évidence le lien entre réseaux sociaux et troubles du sommeil. Maintenant, ils essayent de voir, est-ce que c'est parce que je fais des insomnies que je me mets sur mes réseaux sociaux pour finalement passer pour mon temps agréablement ou est-ce que c'est parce que je suis sur mes réseaux sociaux que je n'arrive pas à dormir? L'hypothèse est a priori que c'est les deux. Ça marche dans les deux sens. Il y a vraiment ce problème de forte stimulation du fait des réseaux sociaux, d'accoutumance à se connecter pour vérifier si on a un nouveau message, et puis cette lumière bleue qui nous tient en éveil. C'est vrai que c'est un cauchemar éveillé. On sait bien, le smartphone est vraiment l'ennemi du sommeil. Alors. Il faut tout couper. Si vous n'arrivez pas à tout couper, vous allez consulter un médecin. En fait, il faudrait couper le Wi-Fi. Non, mais la nuit, il faut tout couper. Pas 4G. On peut pas aller sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, ton téléphone, t'es là comme ça. Quand on se couche, c'est pour dormir, les garçons. Ben oui, mais bon, quand même. On va pas lire des livres en papier. C'est dommage de faire des insomnies à cause de ça, en tout cas. Mais quelle horreur. Non, mais c'est vrai, avant, on lisait des bouquins. Maintenant, si on est sur les réseaux sociaux, ça change. C'est la même chose, non ? C'est pas la même lumière et c'est pas la même sollicitation. Exactement. C'est pas la même excitation. On a plein de commentaires sur Twitter. Alors, il y a ceux qui nous disent qu'ils vont sur Netflix, qui les empêchent aussi de dormir. YouTube fait partie de l'étude aussi. Évidemment. Oui, bien sûr. C'est quand même l'interaction avec les autres et fait d'attendre des likes ou des réactions. Générale, c'est d'avoir un objet électronique au lit, quoi. Il faut pas. On peut avoir une liseuse en revanche. La liseuse est prompte à l'endormissement puisque là, il n'y a pas de rétroéclairage agressif. J'ai un robot respirateur dans mon lit, non c'est... Ah, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, fait du d'accord. Bruit, hein, c'est bizarre comme truc. Je pensais que c'était toi qui ronflais, mais non, c'est le robot aspirateur. Tiens, robot aspirateur, ça me fait penser à. Ah, ça nous fait penser à David Noguera, pas mal, c'est ça ? Pas mal la transition. Ah, c'est joli. Ouais. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Bonne soirée. Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net. Et oui, test. Entre autres des aspirateurs robots à longueur d'année. Mais pas que. Mais pas que. Vous allez le voir, c'est le labo et c'est avec David Noguera tout de suite.
Et toujours le hashtag 01Live, bien sûr, pour nous joindre, pour poser vos questions. Et David Noguera nous a rejoint. Salut David. Bonsoir messieurs. Salut bonsoir David. Tout le monde. C'est pas un aspirateur. Et non, c'est pas un aspirateur. Mais regardez, on dirait presque un jouet en fait. Non, là c'est vidéoprojecteur cette fois-ci. C'est effectivement quand on a du mal à s'endormir finalement, pourquoi pas se faire une toile. Ah oui. Donc Epson, un vidéoprojecteur, là c'est un peu mon coup de cœur du moment effectivement. Alors le test est à venir sur 01Net. J'ai déjà mes petits résultats, mais on va sans doute publier d'ici demain ou lundi. C'est une avant-première. Donc là c'est l'avant-première live. Voilà, ce modèle Epson TW5350, c'est vraiment un beau produit. Et c'est surtout un produit assez bluffant parce qu'on dirait presque un jouet. C'est 800 euros le produit et il est tout simplement bluffant. C'est un vidéoprojecteur qui va à l'essentiel, Full HD, mais avec une très très bonne luminosité. Alors on ne va pas se lancer dans les chiffres parce que c'est assez, assez cloug, mais très très bonne luminosité, très très beau taux de contraste, une excellente fidélité des couleurs. Vraiment pour un produit à 800 euros, c'est un produit qu'il va falloir retenir et qui en plus intègre une technologie Wi-Fi, donc compatible à la fois Miracast, donc pour son smartphone Android et essentiellement donc son smartphone Android, mais aussi ses produits Apple via une application qui s'appelle iProjection. Donc on a fait quelques petits essais, là on le voit, j'ai mon smartphone qui diffuse une image depuis Netflix en streaming, donc du transfert de mon smartphone vers le vidéoprojecteur. L'appairage est vraiment très très simple. On scanne un QR code qui est projeté par le vidéoprojecteur et la configuration est automatique. Ça veut dire qu'avec mon smartphone, je peux projeter très facilement n'importe quelle image depuis mon smartphone. Il n'y a pas de problème de restriction, alors, de droit, etc. Non, exactement, ça passe par du Miracast, donc il faut avoir l'écran de son smartphone bonne, animé. On reste dans Full HD, en Wi-Fi, on a quand même une petite perte de qualité qui est notable, mais qui est tout à fait acceptable dans une configuration où ça se passe bien. Donc ça fonctionne avec du Netflix, avec d'autres applications telles génial, que CanalPlay, etc. Je n'ai même pas besoin, j'ai besoin qu'une prise de courant finalement. Exactement, alors après le son sur ce vidéoprojecteur, il n'est pas exceptionnel, mais pour un usage ponctuel, si je veux l'emmener, là en plus vraiment il est petit, hein, c'est un petit modèle, hein, pour se rendre compte ça fait une trentaine de centimètres de large, autant de profondeur, un petit peu moins même 25, donc c'est tout à fait un produit qu'on peut emmener dans une maison de vacances et s'en servir avec c'est un projecteur classique qui a besoin de recul. Qui a besoin de recul, oui, c'est pas un produit que je vais mettre au pied d'un mur pour avoir une très très grande image. Mais on peut avoir une grande image. Et on peut avoir une grande image, il fait partie des images les plus grande, si on peut dire, puisque nos mesures sont faites avec 2 mètres de recul. Souvent, la moyenne, c'est 1,60 m de diagonale. Là, on est à 1,86 m. Donc, c'est quand même une belle et grande image et vraiment un produit assez étonnant. Donc, à 800 euros, on le trouve en plus à moins, évidemment, au prix de 700 euros. Donc, encore une fois, c'est vrai que idéalement, il faut lui coupler un petit système Hi-Fi pour vraiment profiter de ce produit. Mais un beau produit, vraiment, pour ce début d'année. C'est vrai qu'aussi, on a une pièce qui est... Voilà. Avec laquelle on peut, ah bah oui, on peut équiper tout ça, c'est vraiment le top quoi. On regarde des films et tout, c'est génial. Et puis en plus c'est étonnant Epson, hein, cette marque qui domine ce marché depuis très longtemps, depuis toujours je crois même. Donc test à lire sur 01Net très rapidement. Très bientôt. Ouais. Et on enchaîne avec un autre produit high-tech, mais cette fois-ci, qui pourrait se coupler d'ailleurs. Alors, avec mais oui, voilà, exactement, il faut les deux, puisqu'il faut du son, pourquoi sauf pas. Un blanc, un noir, il y a un problème. Alors ça, c'est beaucoup plus lourd, ça fait effectivement 7 kilos. C'est une nouvelle enceinte, Boer & Wilkins. François Bedin, qui est l'un de nos experts audio, a déjà publié le test sur 01Net, donc tous les détails sont à retrouver sur le site. Boer & Wilkins Zeppelin Wireless. Wireless, parce que c'est un produit donc, qui effectivement intègre du Bluetooth quand on va vouloir streamer de la musique depuis son smartphone. Alors c'est quoi, c'est la deuxième, troisième génération de Zeppelin? Alors là, il aurait fallu demander, mais c'est au moins la deuxième, c'est sûr, puisque effectivement, non, mais je veux dire, déjà, il n'y en a pas eu beaucoup en réalité. Non, il n'y en a pas eu, c'est pas le produit qui n'était pas wireless. Il y a cette version qui est sans fil maintenant. Ouais. Et donc vas-y David. Donc cette partie Bluetooth qui effectivement donc permet de streamer de la musique très facilement. Les tests ont montré que visiblement, c'est quand même, quand on a un beau produit comme ça qui développe beaucoup de puissance, c'est dommage d'utiliser du Bluetooth. Donc le Wi-Fi prend tout son sens, puisque que ce soit via du AirPlay ou via du streaming, via l'application Spotify Connect, puisqu'on peut tout à fait appairer son smartphone, lancer une station Spotify ou lancer sa playlist, et ensuite l'enceinte va gérer sa petite vie tout seul. Donc avec le Wi-Fi le son sera meilleur en fait. Et Wi-Fi le son est visiblement bien meilleur. Mais tu sais que moi je me souviens, j'avais discuté avec Boer & Wilkins justement
alors qu'à l'époque tout le monde parlait de Bluetooth, eux ne voulaient pas sortir ce modèle-là en Bluetooth parce qu'ils estimaient que le Bluetooth n'arrivait pas à la qualité qu'ils voulaient de restitution du son pour ce genre d'appareil. Visiblement, ils n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire que il y a tellement de clients qui ont demandé du Bluetooth qu'ils ont été obligés de le sortir. Mais au départ, je crois qu'ils ne voulaient pas le sortir, ce produit-là. Donc c'est un beau produit, mais attention, ça fait quand même 700 euros. Hein, donc, mais bon, ça fait vraiment partie, C'est déjà des très belles enceintes. Alors il faut oublier, c'est effectivement pas de la petite enceinte portable, il n'y a pas de batterie d'ailleurs. Aussi, qui est bien restitué. Il y a 6 voix dedans. C'est comparable à quoi au produit? Il y a un produit Bose qui est un peu dans la même catégorie. Mais il n'y en a pas beaucoup de ce niveau-là. À ce niveau-là, non, ça reste une belle référence. Je tiens quand même à rassurer Caribou, ce n'est pas un suppositoire géant. Non, c'est la forme du Z. Sur Twitter, il nous dit ça. C'est parce que effectivement, pour géant, faut peut-être que je la tourne un peu. Ça suffit. On va arrêter la discussion ici. Vaut mieux être un géant. si vous voyez ce que je veux dire. Bon, très bien, David, merci beaucoup. De rien. On garde les deux. Merci d'être passé. Allez-y, parce que là, vraiment, entre les deux, il y a de quoi se faire plaisir. L'image, tu prends le son. Ouais, et puis tu sais quoi, on se met ça. Ouais, voilà, et puis on se fera des soirées, j'apporterai l'image, t'apporteras le son, etc. Cool. Peut-être un dernier mot sur notre sondage, Jérôme, 01net Orange. Que pensez-vous du Wi-Fi dans l'avion? Sondage 01net Orange du jour, c'est toujours un grand oui. Ouais, un 89%. Oui, qui augmente. Bah voilà, il va falloir y aller, hein. Air France, si tu nous entends, il faut s'y mettre maintenant. Non mais c'est vrai que, et puis bon voilà, ça fait plaisir parce qu'on avait quand même du retard par rapport à nos amis américains qui ont ce Wi-Fi. On l'avait nous-mêmes testé il y a plusieurs années. C'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas de compagnie, enfin il y en a très peu. Ouais, c'est bien dommage. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque jeudi entre 18h et 18h30 sur 01net TV. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et évidemment, vous le savez, l'actualité high-tech sur 01net TV, c'est tous les jours. À la technique ce soir, il y avait Florian Beaufreton, Jérôme Giliberto et Jean-David Duarte. On salue Thomas Remiret aussi qui est aux réseaux sociaux. Ouais. Et voilà, merci à vous tous. Et merci, on se retrouve très vite. Tweeté en masse et à jeudi prochain pour 01 Live et tous les jours pour l'actualité en vidéo sur 01nettv.com. Salut à tous.